Bonsoir à tous, bienvenue sur FM Télévision. Merci de votre fidélité à votre émission qui débarque sur la Fondation Maloua Télévision, le manager. Cette émission qui donnera essentiellement la parole à tous ceux qui ont des projets à raconter, gens qui ont certainement des choses à nous dire, parler de leur histoire, de leur projet, évidemment. C'est autour de ces sujets-là qu'on va essayer de temps en temps débattre avec nos invités. Comme vous le remarquez, nous ne sommes pas dans le studio de la FM Télévision. Là, on se déplace, nous venons à la rencontre de quelqu'un qui, pour vous, est un modèle, pour les uns comme les autres. Vous êtes nombreux à poser des questions, qui est finalement notre invité de ce soir. Alors, moi, je vais vous demander de prendre votre mal à patience, parce que tout à l'heure, vous allez tous comprendre de qui il s'agit, de notre tout premier invité, eh bien, qui fera objet, dans le cadre de cette émission, comme je le disais au début, le manager. Alors, pour vous servir, aujourd'hui, c'est toute l'équipe de la Fondation Maloua Télévision qui se déplace. Et comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans ces magnifiques, je dirais, comme ça, de cadres qui nous reçoivent dans le cadre de cette émission. Et pour parler avec Willy Kindembe, qui est l'invité de cette émission, de ces magazines. Président Willy, Mbote Nayo. Mbote Lionel. Président Ebi Keza Passi, dans l'émission, je vais vous présenter, parce que c'est beaucoup de choses en même temps. Vous allez présider un comité national de supporters. Vous allez premier conseiller Nakati à comité Maloua. Mais finalement, on peut savoir mon opportunité présent aussi présenter et pas battre les spectateurs parce que l'anabiso aussi quoi. Merci Lionel. Donc s'il faut parler du FC Renaissance du Congo, avant tout Naza président sectionnaire, il y a section Ngabadé. Après NASA président il y a bah, supporters donc président du comité national des supporters il y a FC Renaissance du Congo NASA premier conseiller nakati il y a comité sportif où il est dirigé par le maître Billy Maloua puis NASA vice-président il y a conseil d'administration il y a FC Renaissance du Congo. On est allé à Magambetali, FC Renaissance du Congo. Maintenant, notre club, on est bandé l'émission. Et cette émission, mon coup, ils ont le bel parcours, justement, il y a tout supposé de bien être manager. Mais pendant que tu as l'abisso, à part la responsabilité de l'angoisse à FC Renaissance du Congo, qui est Willy Kindembe autrement? Bon, notre club, Willy Kindembe, est opérateur culturel et sportif. Mingi na commune Ngaba, commune Oye Avandi. Donc je suis là dans l'encadrement de la jeunesse, beaucoup plus na Oye Tali culture et sport. Très bien. Alors, Trobé, ta maman Soumi Milaï, na FC Renaissance, puisque il y a ces besoins, on a qu'à éclaircir, rainer tout, bazote à la biseau par rapport à l'actualité, les FC Renaissance, Trobé Lango. Mais avant, en gros, ceux qui te causent mal, les canissements aidés par rapport à parcours, il y a Willy Kindembe mémoire, qu'on trace les biseaux en peu de mots, histoire, parcours, on a eu à Willy Kindembe, tout, qu'on retenir, on est président. Bon, parcours à Willy Kindembe, n'a qu'au bandana, n'a bêtude faite. Donc Kindembe a sali ba humanité météorologique. Donc j'ai fait l'option météo. Nazu diplôme, lauréat à République. Donc meilleur lauréat, il y a République à l'époque. Naké campus, il fallait na sala la science économique. Et simbité, naké ista. Na sali ista, ista, na silici. Au même moment, Nazalaki na Ista, et à un moment où Nazalaki na armée, donc na école de vol, donc na Silici na armée, na Silici na Ista. Après, na me lancé dans la vie professionnelle comme ingénieur technicien indépendant. Bon, na kosa la ka ndenge na zayo kosa la, na yo kuta na ba jeune. Je vois encore, c'était na année 2007. Place projet à ancien président Joseph Kabila. Na projet na lancé qui a 5 chantiers. Na kuta na kina ba jeune moko ba jeune artiste comédien. O ba inspiré kingai. To meka ki kosa la moi scénario moko na bango parce que na projet wana
C'était maman Olive Lembe qui est venue inaugurer le projet. Alors, à partir du projet, j'ai découvert beaucoup de talents. Na ba jeune oyo nazaye ko fréquenter bango na chantier ou bien soit ba opé bazaye ko fréquenter ngai à partir de Senet wana oyo qui parlait sur les cinq chantiers ndé inspiré kingai au lancer na makambetali comme opérateur culturel donc idée utaki wana oui idée utaki wana et na sali sikoyo wana zaki na triangle na nzela ya campus donc ba jeune akuna siko ba iko landangai talaka jeune c'est une opportunité président Willy c'est quoi bah jeune a commis n'a pas eu président dernier biso tozawa yo ça m'a ramené les bandes biso koto qui par biso te des bah jeune bah commis soyez là bah projet bah on y est ya musique ya théâtre ya football c'est à partir de là où on a mis lancé qui n'encadrement jeunesse bon dans l'époque sur le plan football nazara qui n'a pas supporté justement président n'a été qui malembe toi n'a toi yeba. Comment vous êtes passé de l'opérateur culturel tout côté Mambetali Balé, voilà tout bête en Osima. Mais c'est vrai Kolobi, tant Bajen, Bayebio, Balandio, Bakumiko Benga, président Willy. Mais c'est vrai Kolobi, vous savez qu'on entre quoi encadrer Bajen, tu es bien quoi encadrer Bajen, les lots, ça demande des moyens. C'est quoi les secrets après dans Willy Kindembe? D'où vous trouvez des moyens pour quoi encadrer en tout cas Bajen Wana? Oui, oui. Naza ingénieur technicien en électricité. Donc, on a technicien indépendant. Alors, misala na zwaka et puis sanga mambongo, où ils ont permis de n'a pas na makambo nangai et n'a pensé pe na bajen oyo, bakanga manangai ou basala nangai na cadre encadrement na bango. Mais qu'est-ce que vous gagnez en retour? C'est vrai que ça la misala na onde tu kolo bango, yo poti amo pona kwa encadrer bajen. Est-ce que vous gagnez quelque chose en retour? Bon, c'est vraiment un apostolat. Dans un monde là, tu te sens responsable. Il y a des jeunes, des médecins, des gens qui vivent, des gens qui ont des préoccupations. Il y a des métiers en tant que papa, en tant que yaya. Tu te sens maintenant responsable. Au monde, bon, voilà. Donc, dans un monde, il y a des gens qui ont des obligations. Il y a des gens qui ont des obligations pour ne rien attendre en retour, en tout cas. Alors là, on les comprend parfaitement. Je vous rappelle qu'on reçoit pour vous, dans le cadre de cette émission, le manager sur FM Télévision, le président Willy Kindembe. Certainement, il est avec nous, il va répondre à toutes nos questions. Mais président Willy Kindembe, ça a une responsabilité au sein de la FC Renaissance. Vous êtes aussi opérateur culturel, mais vous avez peur de famille. Est-ce que tout le président Willy a été marié, le président Willy a été en famille, a été en bien sûr. Le président Willy a marié, père de cinq enfants. Donc, nous avons marié à madame Elie Kassemouana. Donc, marié et père de cinq enfants, donc trois garçons et deux filles. Alors, merci, on va évoluer. Je sais que vous êtes nombreux à se poser des questions, d'ailleurs, attendre des questions liées à ses responsabilités au sein du FC Renaissance du Congo. Président, c'est vrai, déjà, nous avons anticipé tout à l'heure. Et comment est-ce que nous avons écouté à Makambabale? Avant d'abord, il y a FC Renaissance du Congo. Non, football est un sport roi. Donc, à tant que vous pratiquez, mais moi, passion. Passion, oui. Au moins, il y a des jeunes qui ont été encadrés, qui ont été approchés. Donc, il y a de toutes tendances. Il y a des côté culture, musique, théâtre. Il y a des gens qui ont technique, il y a construction. Il y a des maçons, des charpentiers, tous encadrés. Mais il y a des côté sport. Football mingi. Autant que sous ballon à Pamba, tout ça, on a posé au bête à balle, ballon et zate. Madame Bavarez, très souvent. Oui, mais... bien sûr, tout ça là, donc c'est presque ce qu'on fait à tout moment. Est-ce qu'entrer à présent, Willy, tout à l'heure, on a posé mal au bois expliqué, puisque nous sommes au côté de la FC Renaissance du Congo, mais déjà au départ, vous le dites bien, football et Zaki, passion pour Nayo. Mais déjà, est-ce qu'au départ, vous avez qui supporter à FC Renaissance? Je ne dirais pas non, parce que Renaissance, c'est un des secrets à m'acquitter. Mais histoire Nayo, dans le football et Zani, avant tout bête arrivé dans la FC Renaissance. Vous avez une équipe, vous avez qu'on supporter avant, c'était comment? Bien sûr, tout le monde a la majorité, il y a René. Donc, ils ont un ancien supporter Imanien. Donc, tout le monde a Imanien pour dire des ringmen. Des ringmen, tout le monde qui a marché, ils ont marché, ils ont décidé de créer une Renaissance. Donc à l'époque,
Nazaraki simple supporter. Donc Nazaraki na fonction mokote même na section. Simple supporter mais très passionné na football et amoureux surtout il y a club chéri Renaissance. Donc Renaissance salami vibo qui passion temps Nazaraki vraiment. Mais Nazam moko ya bateau bazaki ko soutenir ba jeune. Au moins na temps sous entraînement pamba. Donc nakozo ata 20 supporters na foot libango bus transport aller na retour. Par là, je vois beaucoup plus un petit là, Rigen. Na venisa bananga bana ma fille chérie nani Letisa Musomba. On a benga parfois la fille à papa. De yepe muta sala mingi mingi na kota ti na kata ba structure. Parce que il y a vraiment très engagé et très proche même ba joueur. Alors avant séparation, na Katia DSM Pendo Lobaki en Gozaki, simple supporter, mais tant que Bandeko Balongo, DSM Pendo, Sali Renaissance du Congo, mettez sur une histoire, et comment est-ce que vous êtes président Lelo, au matin, au Massi, au Commandant Succès, vous êtes chanté un peu partout par les supporters, vous êtes presque sur toutes les lèvres, pardon, un supporter, vous dites Kindembe, vous allez chanter en tout cas, mais comment est-ce que vous êtes avant? C'est par rapport à des impôts, vous qui simple supporter. Au comment à niveau, vous avez presque occupation belé au sein FC Renaissance du Congo. Vraiment, en tout cas, n'a échelonné vraiment. Au moins, il y a un lobby. Na moussa là où n'a zaki yango akwankadé bajen. Na message zana mo mukumba wana. Er baye ko intéressé ngai. Na niveau à section nanga, je vois là papa Ignace Mukubidi. Wazaki. Papa n'a pas de soigner à DSMP. Il est en train de faire une section. Section Angaba 2. Je pense que la deuxième année. Parce que première année, il est simple supporter. La deuxième année, à l'obité. Vu ce que tu fais, Mbongwana, tu es un bon wana, supporter. Tu es un bon wana et profiter de la club. Il est en train de faire une section Angaba 2. Côté. Nazwa qui poste au Isaki prévu pour naïe à deuxième vice-président. Parce qu'il va proposer qui poste wana ya lobby non, ngai na salimingi na suna tante, mais naza na mwana oyo, ngai na moni kia kuko sa malamu. Bo wana déjà kombo e banaki, koko manga na komi, j'étais vraiment le bienvenu, très bien accueilli, na kati ya section Ngabade, nde ba pesa inga mokumba wana, e ba pesa inga mokumba bon. Vu tout ce que je faisais, na fin ya deuxième année wana, des présidents à l'OBI, ngai na moni ke yonde fo kamba section oyo. Malheureusement, tu es au beta matimoko, ou tu beta contre Ndombe, ou tu polaka, non, tu salaka matinil. Mais nil mo zaki na défaveur na biso. Le lendemain, président est au koufa na crise, à salaka crise, président koufi, de à partir à wana siko na soa ki mokumba ya kokamba section gabade, yango pe komi sanga plus responsable et plus actif. Parce que na veille, je pense deux jours avant le président Koufa. Avant de se dire, voilà, ngai naza awa, mais naza mutumoko, naza makanisa politique, ba ambition na eza beaucoup plus l'intérieur. Et na lingi oza la très actif na côté section, ou s'occupe na section. Vous avez mis ba conseil. Era yego Koufa, eza yaki neti moi, mokumba atike la inga kwa. Yango pe yago sa la ke magebo ki passion parce que ki indembe yabite nga ba, mais ki indembe travaille très loin. Hein. Ba chantier nanga isa na bambudi ba kinsuka ba lutende les voir donc mais na koma ko sala tout na organiser ta nanga misala na misala Renaissance voilà mais quand même oui, justement afin de évoluer na niveau à section ngaba au koma qui d'abord comme vice pour comme président de Tukolobango mais qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai section ya ngaba parce que toujours kabari mère bande ko bato pesa ba réaction na bango bando ye ça va ne na ba kango tout à l'heure ba bazo ye mbayo mais c'est crise nini niveau au koma ko matisi section na yo lelo bon eza likambo crédibilité hein parce que kindembe na ngaba famille ya kindembe baebi et sika kindembe koli baebi crédibilité familiale wana nanu baebi alors vu maintenant les actions sur terrain nous se sont compté. Yango moni ki sala confiance parce que malgré bo mikumba no sana koma nango section nangai elinga ko tira donc c'est vraiment une charge. Donc deux fois na zwakata ko pour ko diriger section vraiment mais na tikala ka lokolo autorité morale oyo bakuka ko remplacer ngate
vu les actions que je mène en faveur de ma section Oyo, ce que tu as côté ma cotisation, tu as un problème au côté. Ce que tu as côté mobilisation, tu as un problème au côté. Donc voilà un peu les meilleurs où on a mis pour la section. Alors, trop long à ce qu'on niveau section, pour nous remettre au niveau à comité, c'est vrai qu'au début de l'émission, on a présenté la casquette Bélé, premier conseiller, il y a comité Maloua, vous allez présent, il y a comité national de supporters, au comité Kounandengene, le président BTM Solisolo. Oui. On a commis président, membre du comité de sage à section. Moi, quoi, condition, c'est là qui. Mouto a la président a une ambition avancée. Donc, on a eu lobby dans la grande commission à l'époque. Pourquoi pas comment on a eu un comité équipe. Alors, j'ai évolué avec ces recommandations. RKK, il a été en 2016 na commis président. Deux ans après, il a été assemblée générale saoudienne élective. Il a postulé comme conseiller. Et Simba a quitté. Mais vu ce que j'étais, vu mon apport, parce qu'avant de postuler, il y avait une opération qui foutait Djogo. Ngaï n'a matérialisé une opération. Parce qu'il y avait une vision avec Pascal Moukoun à l'époque, le président Bruno Samina. Il fallait vraiment de bons animateurs. Alors, ce qui est là, c'est Simba Kato et Salamaka, pour ne pas me vanter, mais à 60%, il y a des efforts à Kindembe. À partir de là, on a pensé un peu goût à Komata, on a eu postulé malheureusement. Bah, Ninga va pensé en confiance. Mais un souci, vu ce que je faisais, le président Bruno Semina, que j'ai salué en passant, a dit qu'il était le Vengaï, il a vice-président. Donc, il est Vengaï, en tout cas, dans notre équipe, des a avancé. Tout ça, on a besoin de battre le col à Bino. Vice-président, il y a le comité national de supporters. Supporters, oui, oui. Donc à partir de là, malheureusement, à élever Kingaï dans le cadre à quoi encadrer Kingaï parce qu'il passait déjà à Kotika. Malheureusement, à élever Kingaï deux jours après, tu bêtes match contre Mazembe, tu police 6 à 0, et le lendemain, on a président démissionné. Donc, quelque part, on a un peu orphelin. Papa a beau tuer à 8 ans, robot que l'autre a couffi. Donc, voilà un peu parcours. Bon. Tango Tamboli comme vice-président, après il fallait que ça ait l'élection. L'élection est salami, Oezaki président intérimé, président cadet, qui j'ai salué aussi en passant. Président Lobino, non, na Salimingi, na Monique et Toti, qui est la paix, bilingue temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a postulé. Il fallait que l'élection soit un candidat unique. Malheureusement, évêque a l'ingagi l'élection salamate, a préféré qu'on nomme. Et à nommer le col à président à CNS, c'était en janvier 2020. Il y a ici qu'on a président à CNS. Mais c'est vrai, président, les lois ont occupé ma poste et Bélé, dans le cadre de FC Renaissance du Congo. Est-ce qu'ils allaient pour battre Bazangi, toi, parce que vous dites qu'ils allaient très compétents, ou d'une autre manière, comme ils peuvent charger pour Nayote? C'est la question que je me pose aussi. Moi, je pense que beaucoup plus fortuna. Parce que cette année, j'ai déploré par tous les moyens. Et ça, la bande de la présidente sectionnaire. Et ça, la voir dans le comité, notre président Maloua, pour que je sois quand même déchargé. Mais en tout cas, les gens estiment que je dois encore être là, partout au NASA. Voilà, on a évité. Mais pour nous, personnellement, comme une charge, ça va bien, on gère en gros, ça la part des choses. Bien sûr, c'est vraiment une charge. Mais au moins, ils sont aux yeux, il faut que je suis au Kumba. Kotikate, parce que au moins, il est comme une charge. Donc, ça vraiment charge. Mais bon, on se démène quand même. On se démène. Mais ce que c'est créé dans les années, il faut ça la part des choses. Tout le monde a voulu qu'il aime un peu partout. Tout à l'heure, tout le Belama, situation, ils allaient. Qui s'est vu ces derniers temps dans quatre équipes, mais tout le monde a eu partout. C'est Willy Kindem. Convocation, c'est Willy Kindem. Mais le secret, c'est quoi? Pose à la apte, pose à la flexible en quelque sorte, tout ça un peu partout. Bon, na sala tout pour que na mega comme compléter na on a sala. Donc, au moins, na niveau tout bananet, il y a conseil d'administration. Et ça, organe interne à club. Oyo, et ça, rencontre en sala manka une fois par mois. Malheureusement, que Kuna Barinu et Salamaka Vrimate. Donc, Nazan a fonction, mais Nazan a vraiment combattu.
Sokotali comité, naza conseiller, naza wana conseiller, premier conseiller, donc naza muto, naza beaucoup plus. Il faut travailler en étroite collaboration avec le président. Donc là, ce ne sont pas des réunions. Et ça, à tout moment, il y a un poste à président, il y a un président. Donc, toujours, comment il y a un poste. Le président de la CNS, il y a un jour où il a prévu pour la réunion, mardi à vendredi, de 17h à 20h. Je pense que nous m'organisons de façon que nous avons une réunion. Pour la section, c'est chaque samedi, à 16h à 18h. C'est là où nous avons un Mokumba Mouké, mais j'ai fait tout pour me représenter. Alors, mais comment vous faites aussi pour gérer le comité national des supporters? Parce que gérer les supporters, c'est un problème, président. Tout le monde a de temps en temps, le colam est ici, siège des alliés, il y a une réunion de présence sectionnaire, la difficulté des alliés à Kokamba, les supporters. Oui, la difficulté est belle. Mais je pense que la facilité, c'est l'image qu'on appelle ça Bango. Ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un monsieur correct, à un monsieur dynamique, à un monsieur aussi sérieux, au moins vraiment que à partir de l'image nangaï, des nazois moins facilité, quelle que soit ma tension, mais moi message nangaï le cas quand même, c'est par rapport à l'image on a reflété. Alors ça c'est très bien et tout le bel actualité parce que j'espère que bande de Kobili bazo tel abisso bazo c'est l'abisso to komengo. Moi je pense que ça serait mieux tout banda. Nada tout certainement vous rappelez quelque chose président, le 30, le 31. Janvier 2022, ça vous rappelle quelque chose? 31 janvier 2022. C'est le 30 janvier. Le 30 janvier 2022. Oui, le 30 janvier 2022, oui. Et ça date où il peut signer la fonction officielle dans le FC Rennes Syndicat. Oui, exactement. Président comprend des angos. Alors, on a pu marquer qui est entré à comité Maloua. Oyo d'abord, dans le comité de l'Obaki Ango à tout à l'heure aux Ali. Premier conseiller, un peu. Il faut que le bango bien, ils allaient qu'il y ait un comité provisoire, il fallait qu'il gère, tu fais la saison. C'est vrai, toujours, c'est l'Assemblée générale. Certainement qu'il y a dans les jours à venir, mais il y a personnellement, il y a une redressée pour le comité Maloua, où il peut faire partir. Oh, merci. Le bilan est vraiment positif. Quand bien même qu'il y a une facilité, au moins, il y a toujours présent Maloua lui-même. Les gens qui ont été en train de se préparer, ils ont été. Mais ils sont sortis. Au moins, ils ont été en assemblée générale extraordinaire. Quand on a la pétition, on a joué contre le président Mandala. Comme la majorité avait décidé que tout ça comité provisoire. Et on a été sur place. Et c'est là où tu as dit que le président Maloua Mokumbawana, lui-même, à Satanda Kinangote, le temps à Luka à comprendre, ça a pris plus ou moins un mois. Et Bissot, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit le temps à Luka à comprendre, bon, il a comprendre, il s'est engagé et il a donné le meilleur de lui. Mingi, son alu, le président Maloua, na otala mingi étape ya Katanga. Oh, na mona ki étape voilà. Mouza ki. Périple et équipe Tambagana et Beta, ba match Kuna na Kolwezi et puis dans le Lubumbashi. Oui, parce que c'est là où, oh, mon équipe elle est là. Kuna to mona ki vraiment que, en tout cas, il nous a prouvé le contraire. Oh, ba biso to contribuer à Kata, un franc à biso et kota kate. To mona ka vraiment que, et Malou avait pris en charge donc les séjours. Séjour et équipe Kuna. Équipe, hébergement, nourriture na bango, entraînement, match. Voilà. Donc vraiment. En tout cas, logé dans de très bonnes conditions. Oui. Mais na club la bilan comité. Il faut qu'on appelle aspect sportif, il faut le dire, FC Renaissance du Congo a qui très mal placé dans le classement avant reprise du championnat. Pour nous, l'objectif est qui équipe à la maintenir dans la première ligue. Et Salami, est-ce que vous avez une satisfaction à part du comité de la oui, c'est parce que na Sagité, vous m'avez coupé la parole. Ah, allez-y, président. Donc, bilan est positif encore une fois de ce côté, côté technique, parce qu'on avait pris le bâton avec un objectif. Il y a qu'à maintenir l'équipe dans la Ligue 1. Et chose faite, les lots, malgré la difficulté, malgré la situation de Koutenango,
l'équipe est à maintenir dans la Ligue 1, quelle que soit la place. Donc, toujours dans la Ligue 1, En parlant de ce comité Maloua, c'est difficile qu'au Gébino à juste valeur, parce que ben, comme ça, apparemment, tout le monde a bien souhaité depuis que le comité est en place. Tout le monde a mis kaka yona Maloua, tout le monde a mis ma passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a pu revivre bande comme ça parce qu'il y a une carte à comité vice-président bah poste c'est ça qui est belé mais comment on dirait quand il camnayo na président Maloua tous en asbel et si ka oyo mutu mokota a gagné quelque chose mais si ka oyo tout le monde a des obligations aux autres dépenser pour ne rien gagner en retour mais par rapport à un but au moni Naza na moi par principe mi balé. Oyeza ba recommandation ba kulutu. Nazo mona excellence Thomas Luaka. Une fois zo bisabi sa lobby na quatre organisations nyonso. Il y a trois catégories de gens. Il y a des révolutionnaires, il y a des aventuriers et il y a des opportunistes. Donc ba révolutionnaire bato muto azo bunda pas à comprendre. Pour un but, ngai na zui fonction comme membre à comité, il faut na sala tout que na tsa ba condition ya ba joueur malamu. Yo zali côté ba révolutionnaire moto zo ka change ma équipe. Mais président ce ba aventurier ne banane. Na zo ki ndele semo évoluer. Laissez-moi évoluer na si zana ide na. Il y a aussi des aventuriers, les gens qui sont là pas si fois zala. Mais zo baté nini akoko sala. Mais peut-être que zala président ezalo le kumu po na ye, il est là. Les opportunistes batumo boe azana été pas opportunité y aller à saisir pas saison est bête qui a cela qui ta bunga qui naya voyage qui naye a mon esili mbalama nga za qui na voyage boe na kati bon nga na président nga na secrétaire nga na za boe ce sont des opportunistes tango ba lo beki babimi na ko kende sous na li solo mususu vice président ya Fekofa Honorable Jean Didier Massamba et Bissangaï, dans l'organisation, il y a une loi, il y a gestion 20-80. Sur Tali, 20% des alaka utiles sur les 100%. Et dans le groupe Union, sur la Tambola, on a fait ça et raison. Au moins, on a 20% des basala moussala. Tout ça, on a comité à 9 personnes. Dans 9 ans, sur Tali, il y a que 2 personnes qui sont actives. Mais raison Zanini, président, vous formez un même comité. Raison la banque Zanini. Mais par là, il y a un principe d'excellence de l'OACA, non? Il y a des gens qui sont là. Alors, si il faut comprendre, vous savez qui neuf dans le comité. Ils sont là parce que, il faut que vous soyez là. Mais vous avez besoin de vous faire ça. Ça dit, il y a un moyen de faire un engagement à la charge. Mais en diminuer que ça l'agaga. Mais pendant le coup mugaga. Ça dépend de comprendre le président. Nakati a comité, ils allaient composer dans 9 membres. Bam sous basalé, bam aventurier, bam sous opportuniste. Comme dans toute organisation, on a passé les moments avec des aventuriers et aussi avec des opportunistes. Ah, mais comment vous faites? Vous êtes resté qu'à deux, non? Bah qui ont tout à l'air, mais pour maintenir équipe et atteindre l'objectif, non? Ils allaient qui maintiennent à niveau à Ligue 1 et puis. Voilà, bien, et fort pour conjuguer, c'est quoi les secrets? Bon, le secret, ça, on a pu disponibiliser ce qu'il fallait. Donc, on a fait l'essentiel. C'est vrai que, na moins nombre autres alaka pour ne pas qu'on exactement combien. Et Bélo, on a quitté, na moins nombre alaki, on était obligé de faire l'essentiel. L'essentiel, OESA, place et Senga. Bon, priorité, Zanine, l'équipe, il faut ça l'entraînement. Entraînement, tout le monde a 6 jours. Nao, tout ça, non. Soit permettre 5 jours, tout ça, 5 jours. Soit 6 jours, 6 jours. Soit 4 jours, tout ça, donc, tout ça, l'essentiel pour que, bon, mais quand même, qu'on fait fonctionner une équipe. Donc, alors, président, pour nous évoluer, puisque dans tout cas, il y a une minute et belle Tebi, situation est na kati ya FC Renaissance du Congo nga na linga éclaircir biso. Est-ce que FC Renaissance du Congo ezali société to ezali ASBL? FC Renaissance du Congo ezali ASBL. ASBL affilié na Fekofa.
depuis sa création en 2004. Et Oyo Eza Kobeta championnat national. Banda et Banda qui n'est pas fin et comme un championnat dans le foot, ti na mokola lelo et ce bête a un statut à Asbel. Mais Ngamu Mususu a déposé qui plainte, Bango Balobi, Bowling Bobo, il est Bango équipe, Panabango, Renaissance Ezali, société, président. Bon, côté Wana, je pense que ce n'est même pas une question que vous posez. Tambousaka micro kaka. Na bateau baebi mbotama ya Renaissance bateau baebi Renaissance qui ne sont même pas des Rennais ma copée sa réponse donc ça c'est vraiment une escroquerie pure et simple. Président, question directe, FC Renaissance du Congo est allé qui pia nani ya ba supporter ba ancien supporter imanien o ba comment ba Rennais lelo équipe na bango. Alors c'est vrai que Bozaï qui traduit en justice n'a pas qu'à ma tété, tout le monde est supporter d'ailleurs, très motivé, sensibilisé même. Bah ça qui va démarche, bah qu'il n'a pas un parquet, bah qu'il n'a qu'il tient un cours de cassation, etc. Bah qu'il tient à niveau un ministère, il y a sport. Est-ce que le dossier évolue puisque bah voilà, d'abord c'est un poste web information. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, tout le monde qui agit, qui reporté. Et pour n'abat tout voilà, d'abord va retenir ni par rapport à la situation on a aussi un club. Non, c'est vraiment regrettable. Au moins, nandé na outo loba wa. Équipe est salami na mi sabatu. Oh, mutuni samoni. Mais un bon matin, un monsieur va se présenter quelque part, réclamant l'appartenance y a nani à un club. Oh, et le kunaie et comme société boué boué. Donc, celui bien monsieur, c'est monsieur Mukuna. Oyo akinda ki go pour voilà équipe esa société naye oyo bato baza okamba ayebi bangote alors elo komo oyo supporter mokote akwa kondima parce que na 2014 je ne sais pas qui est ce supporter là o alonga ka imana po alanda nani effect Pascal Mukuna je ne le vois pas donc mutu mokote bonjour assurer na ba supporter que Victor esa na kanabango. Bon, et ça, c'est vraiment un débat le bac à une fausseté. C'est vraiment une fausseté. Oyo n'a pas réveillé. Une tentative même à escroquerie, Togo Loba. Parce que l'élo, ma cambozan d'engueza. Mais justice, elle a toujours la raison. Hein? Donc, côté à justice, elle a toujours côté à victoire. Donc, s'il faut qu'on loue à victoire, je pense que Batoyo Bazan a raison. Bangonde. Bako gagner. Et raison mututa ebi geze ki pa supporter. Donc attends mututa ebi Renaissance na katite. Tuna ekaka. Ah tala boy non non. Alors président, tu as 5 minutes pour notre succès mission toke na ngomba mbangu age ko salama tote. Bien sûr. Abie age ko salama. Age il fallait salama le 18 selon calendrier lina foot. Le 18 wana moi ba makambo ya katikati bimaki linafoot confusé kotaki linafoot ayebaki soute nani azako disait FC Renaissance du Congo parce que ça na groupe ya batu oyo ba mona na kité na moment gestion les opportunistes qui ont cherché à s'approprier du club na dernière minute soit disant que ba longoli président muto o a géré muto abimisi mbongo a souffrir pour comme c'est une équipe na fin à saison balo ba longolé et le président ngalo na nga kito fixé bango ezala soki kozala kan ezala kan ya nani ezala parce que dossier ezana na justice tous ezala ba conclusion o ya nani ezaki na parquet ya cour d'appel ya Matete donc Kinshasa Matete na minute oyo na moi pression na manifestation ba jouer ba salaki. L'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires s'est saisi du dossier, donc a récupéré le dossier et commis un niveau naé. Parce que mon état, la population, et ça là qui m'a lamouté. Et ça qui m'a lamouté, bon, on a manifesté, on a réclamé, et bah, qu'on s'y paie à justice, bah, mon nique, non, mboke ça na moi, mbilinga, togo tika n'importe quoi, t'es. Bah porter qui attention à bango côté on a des bazui dossier bazo mekakota là donc bah allez, conclusion des tourés parce que après bah conclusion des voilà merci président. Alors trois dernières questions vraiment pendant que sous c'est dans mon coup c'est président
pendant que aussi la Macambo évolue au niveau de la justice, bah fixé date à âge, bah Ningam Soussou déjà, bah Kev Soussou, ou bah c'est déjà Kev concurrent à FC Renaissance, bah répondre à l'entraînement. Est-ce que FC Renaissance a dit qu'on perdrait tu es bête quand est-ce entraîné, bah là, recrutement, bah joueur. Bon, c'est vrai. Tout ça vraiment conscient, non? Mais il y a déjà des stratégies qui sont mises en place pour récupérer la situation. Donc, alors, pour nous reçu que ce président, souvenir ni à qui tout qu'on garde dans la FC Renaissance depuis qu'on coûte dans la FC Renaissance, comment peine la gestion, occupe ma poste, je dirais, stratégique, bon souvenir dans la FC Renaissance et Zaranine. Bon, souvenir dans la qui tout qu'on a, ambiance, on a coûté dans ce qui m'a dit ça. Donc ils ont souvenir oyo na bossa na katé. Attends, bah supporter bayemba kayo hein. Bon, et ça la condamné ta bayemba kayo pendant que succès. Bon, na ébité mais na yo ka bayemba la équipe. Vous comprenez? Té mais bayemba ka payo président. Bon. Ko yemba na bibo ça dépend. Ils ont la place au bayemba la ngai. Mais na stade to kenda ko mise équipe tu biso nous. Donc le bayemba la ngai na stade. Et bah ça la commission ta bayemba la paye équipe ta même équipe pour ka paye kindembe kindembe. Wana na réunion, c'est tout à fait normal. Mais ça la condamne ni rien. La question n'a rien. Raphaël et Yakou. Si on a 4 ans, on a un peu de fake, papa Moussanga, on est donc. Et ça, on a moins dédicace, mais on a l'équipe. Vous voulez qu'il y ait un bon débat supporter. Mais vous avez un peu de temps à vite. Vous avez un peu de temps à vous. Vous avez un peu de temps à vite. Je pense que vous avez un parcours. Je pense que vous avez un parcours. Vous avez une réponse. Alors, relation non à présent à l'OA pour que vous avez ça. Non, c'est mon président. Et ça, la relation à papa. Donc, président Billy Maloua, que j'ai salué en passant, c'est mon papa. Donc, relation à Isa Kito, que papa n'a moins. C'est merci tout. Président, c'était un grand plaisir pour Nabiso à l'occasion un premier numéro à l'émission au Koyambayo. Votre mot de la fin. Merci en tout cas na émission. Merci toujours, merci surtout na déplacement vos salis parce que c'est pas facile vivre occupation, mais vous vous êtes déplacé quand même. Message, j'ai beaucoup plus na bana fibo oyo na osenga na bango baza la kimia. Je sais que tous huit mois bouleversement na quatre équipes, mais grâce à l'effort na bango. Base à la kimia, Makambo a bien Zali. Donc, comme on dit dans la politique, les peuples gagnent toujours. Dans le football, les supporters gagnent toujours. Donc, Kalate assemblée au Salama, tous les élèves ont quelques jours pour que tous aient une conclusion en année à justice. Et comme la ligne foot, la foot a été bien établie en assemblée. Et si on a été en train de participer à l'équipe de l'Abiso. Donc, base à la kimia, et surtout, il est temps de nous préparer. Pour comment lancer l'activité, c'est pourquoi pas démarrer la saison sportive 2022-2023. Na début à chaque saison, tout le monde va jouer. Avec ce qui s'est passé, soyez en sûr qu'il y aura aussi des départs, beaucoup de départs même. Dans le cadre de la refondation, nous avons besoin de votre contribution au ISA, au Yébiwana, qui habite à bien. Il est temps d'approcher Mema et Toyebi ce qu'on va faire. Merci beaucoup, président. Je rappelle qu'on recevait Willy Kindembe, président du Comité national des supporters. Merci, président, d'avoir accepté à notre invitation et nous donner votre temps en répondant à nos questions. Ça n'est fini. Merci à Florent Kita qui nous a aidé à préparer cette émission. Et cette émission, vous la retrouverez en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Merci à votre confiance à la Fondation Maloua. On vous dit au revoir et à la prochaine.